du pain. Ok, aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que déjà je me montre. J'ai une nouvelle coupe, je me suis fait faire une mèche. Ouais, couper 1 cm de cheveux. Ouais. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Movie Star Planet et je suis très excited de vous la faire. En fait non, pas du tout. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo piratage. Quand t'entends le mot déjà, ça te rassure pas. En fait aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que j'ai vu sur YouTube et je pense que vous aussi vous l'avez vu. J'avais envie de me marrer là-dessus aujourd'hui en facecam en plus. Alors du coup, comment pirater quelqu'un sainement, voilà, et faire un mini buzz sur YouTube. En ce moment les gens ils disent trop que je fais du putaclic et tout. Attends, s'il te plaît, Jean. Je ne fais pas de putaclic. Il y a une différence entre le putaclic et délirer complètement. Ok, je vous mets en garde direct. Je n'ai jamais piraté personne. D'accord? Jamais. Ok? On est clair? Là aujourd'hui, ça va juste pour être déliré et vous montrer en fait ce que je vois tout le temps et vous aussi, je pense. Voilà. Bref, c'est parti pour la vidéo. Si ça te plaît, n'hésite pas à la liker, c'est mieux. À la commenter et à partager si le cœur t'en dit. Et je souhaite une bonne vidéo. Alors, du coup, pour pirater les gens, il faut avoir un compte à pirater. Donc, alors moi, j'ai peut-être un compte à pirater. Alors je réfléchis. Au pire je vais regarder dans mes bloc-notes. Parce que dans mes bloc-notes en fait c'est là que je stocke tous mes mots de passe, tous mes comptes, tous mes trucs, mes mots de passe de toute ma vie, attends. Donc on va regarder et on va voir si je trouve un compte. Ah mais je suis trop conne en fait. Ah mais je suis trop une conne. Je suis en train de vous montrer mes trucs au KLM là. Et les gens ils auraient rien vu hein. Rien. Bon c'est pas grave. Tant pis, de toute façon moi, je trouverai une méthode. J'ai trouvé un compte qu'on pourrait pirater. Il est très simple, c'est Melokimi. Voilà. Pour pirater un compte, on a plusieurs méthodes. Soit vous vous rendez sur le compte et vous demandez très gentiment à la personne c'est quoi son mot de passe. Voilà. Mais il y a une chance sur je sais pas combien qu'elle te le donne. Et sinon, l'autre méthode, c'est t'as une pote et tout, tu connais son mot de passe. Bah. Ça, c'est des trucs que j'ai vu sur YouTube. Que des trucs comme ça. Utilisent leurs potes pour les pirater. C'est beau quand même. Du coup, alors on va aller sur Melokimi. Alors je me dis, oh, je suis trop une pirateuse. Alors du coup, je vais mettre le mot de passe. Je le connais pas. Du coup, je vais le copier-coller. Donc je vais le coller. Enfin, si je le connais vu que. Oh, ta gueule. Du coup, on va faire login. Login. Et c'est pas le bon. Ah, mais oui, je sais pourquoi. Ok, j'ai trouvé un compte. On va aller sur mon compte. Melokinku, donc si t'es vrai tu le connais ce compte, si t'es pas vrai ben plus rien, c'est pas ta faute. Donc on va se rendre sur ce compte et on va attendre que ça se connecte. Et voilà, là je suis dans mon costume de pirateuse. Voilà, je suis trop une pirateuse. Ouais, je suis bien drôle de la pirateuse. Dans la clé à moulette. Ah non, pardon, pas la clé à moulette. On va aller dans le petit point d'interrogation. Voilà, comment on fait un point d'interrogation? Voilà. On va aller dans mon compte et bien sûr on va pas faire mot de passe oublié, pas réinitialiser, mais supprimer le compte. Voilà. Donc ensuite on va faire oui. Et on va faire un pseudo. Donc ça c'est tout ce qu'on voit dans les vidéos Movie Star Planet. Pseudo Melokinku. Mot de passe, copier-coller. Voilà, ça sera mieux là. Donc je copie le mot de passe, voilà. Il est magnifique, donc supprimer l'utilisateur. Es-tu sûr de supprimer ton compte, mot de passe invalide. Et dans ces moments là, tu sais ce qu'ils font? Et ben ils font ça, alors supprimer le compte. Voilà, donc tout de suite ils font. Wow. Oh là là, truc d'ouf. Oh merde, j'ai marqué Pinku. Melokinku. Et là tout de suite. Tout de suite, tu vas sentir le suspense sur tes lèvres. Ils vont faire supprimer l'utilisateur. Ils vont faire oui. Et ensuite, ils vont faire... Et ensuite, d'avoir fait pause dans leur petit montage. Ils vont couper le moment où ça fait supprimer l'utilisateur. Et ensuite, ils vont refresh la page. Et cela fait que... On a une forte impression qu'il a été piraté. Et ensuite, la déduction de la chose, c'est que je vais faire un mot de passe au hasard. Voilà. Et je vais faire entrer. Et là, ça va me dire que le compte ne marche pas. Et voilà comment ils font. Ils font comme ça, j'ai remarqué sur énormément de vidéos. Ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à... rien. Vous êtes peut-être en manque d'affection, peut-être. Peut-être en manque d'amour. Sérieusement, il y en a, c'est vrai. Il y en a qui se font vraiment pirater. Je sais pas comment d'ailleurs. Par leurs potes, comme je disais. Et mais il y en a, c'est du fake total. Buzz. Oh, il y a une abeille qui passe. Buzz. Donc voilà comment les gens font pour se faire pirater. Tuto terminé. C'était les tutos de Mandine. De Mélo, pardon. Donc voilà. Sur ce, mes petits poulets, je vous laisse et je vous fais des gros bisous sur vos petites fesses d'amour. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.